message. Science. Tourne avec moi dans 1 Timothée 5. Alléluia. Premier Timothée 5, nous allons commencer à lire à partir du verset 1 et on va se rendre jusqu'au verset 2. Donc, ça nous dit, ne réprimande pas rudement le vieillard ou l'homme âgé, mais exhorte-le comme un père, exhorte les jeunes gens comme des frères, les femmes âgées comme des mères, celles qui sont jeunes comme des sœurs, en toute pureté. Seigneur, ce matin, on se courbe devant toi et on te demande que nos cœurs, Seigneur, soient disposés, comme on a prié ce matin, disposés à recevoir ta parole, à recevoir tes instructions. Et Seigneur Dieu, disposés de mettre en pratique tout ce que tu nous enseignes. On te remercie pour ta sainte parole, que tu veilles dessus. Et ce matin, on te demande qu'elle puisse être déposée dans nos cœurs et vraiment prendre racine et porter du fruit à la gloire de ton nom. On te remercie. Amen. Ici, on voit, Paul commence le 5e chapitre. Les 4 premiers chapitres, il a vraiment adressé des choses vraiment précises concernant la doctrine, concernant la conduite qu'on doit avoir dans la maison de Dieu, de veiller sur des choses, parce qu'il va s'introduire des choses, il y a des faux docteurs qui veulent introduire des doctrines qui sont à l'encontre de celles de Christ, et des choses comme ça, et de veiller sur lui-même également, de faire attention dans sa marche personnelle, dans sa vie publique également, et dans l'enseignement qu'il donne, et de veiller sur ces choses-là. Et maintenant, il nous donne des consignes qui sont un peu plus, des consignes qui sont pertinents, hein, très pertinents pour la relation dans l'Église, les relations dans l'Église. C'est des conseils de bienveillance, comment est-ce qu'on devrait être les uns avec les autres. Et puis, c'est intéressant que dans le passage, ici, Paul utilise un usage de familial qu'il utilise comme terme, n'est-ce pas, d'interaction familiale. Donc, il nous donne un aperçu dans les versets, et ça continue dans la suite du chapitre 5. Mais ce matin, je voudrais juste qu'on regarde les deux premiers versets. Ça continue, ça nous donne un aperçu comment est-ce qu'on devrait se traiter en tant que membre de l'Assemblée. Mais ici, Paul présuppose, dans un sens, présuppose que nous sommes en réalité une famille. Les termes qu'il utilise, père, mère, frère, soeur, n'est-ce pas? Donc, il présuppose que nous sommes une famille. Et la parole de Dieu nous dit que nous sommes la famille de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu, n'est-ce pas? Elle nous parle comme faisant partie de sa famille. Dans Galates, ça nous dit les frères dans la foi. Mais dans le standard, je crois que ça dit la famille de la foi. Ça fait une relation que nous faisons partie de la famille de Dieu. Et même Paul, comme mentionné au chapitre 3 dans 1 Timothée, il dit comment est-ce qu'il faudra se conduire dans la maison de Dieu. C'est par rapport à la maisonnée de Dieu, la famille de Dieu. Dans la maison de Dieu, la maison, c'est là où on se réunit en famille. Donc, il fait part de ça. Et notre conduite devrait vraiment refléter cette relation-là, cette relation familiale. Et je sais que c'est un défi à notre temps. C'est un défi, pourquoi? Parce qu'on vit dans une génération, frères et sœurs, où que la déconstruction de l'unité familiale est rampante. C'est la destruction de la famille. Et c'est ce qu'on est en train de témoigner de plus en plus. Mais ça devient un défi pour l'Église de vivre en tant que famille, parce que les gens qui sont insérés souvent n'ont pas de point de repère. C'est quoi être une famille? Et on en a tous subi les conséquences parce qu'on vit dans ce monde déchu-là et ça affecte la famille. Et ça affecte, même si on est chrétien, ça nous affecte également. Mais quel est le témoignage des Écritures ce matin? Paul parle de ces termes-là, il parle de façon que père, frère, sœur, mère et ces choses-là. Et quels sont les témoignages des Écritures? Je veux juste vous donner quelques témoignages que les Écritures nous donnent. Si vous voulez, avec moi, on va aller dans 1er Jean. Apprends pas 1er Jean. Wow! OK.
méchant. Je suis en train d'inventer des livres. Dans 1 Jean, au chapitre 3, verset 2, ça dit « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. » C'est ce que les apôtres ont saisi de la part du Seigneur. Nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Quel jour que ça va être? Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même impur. Nous sommes, c'est ce qu'il dit, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ça témoigne non seulement que nous sommes enfants de Dieu, mais ça témoigne l'amour que Dieu a pour nous. Verset 1, il dit, voyez quel amour le Père. Il fait référence, le Père. Hein? Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Ceux qui connaissent le Père reconnaissent que nous sommes enfants de Dieu. Ça, c'est la réalité. Et c'est une réalité, frères et sœurs, que Jésus lui-même a enseigné. Souvenez-vous que lorsque son père, pas son père, mais sa mère et ses frères sont venus, ils ont dit, ils sont dehors, ils veulent te parler, et tendant les mains sur ses disciples, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, voici mes sœurs, ma mère. C'est ses disciples qui l'entouraient. Et on voit que dans la parole de Dieu, on est engendré de Dieu. Même dans l'Ancien Testament, tout avec moi dans Deutéronome. Deutéronome, au 32e chapitre, c'est le cantique de Moïse. Et puis, le cantique de Moïse nous fait part, malgré que les enfants d'Israël avaient, s'étaient détournés. Et puis, il leur fait part que c'est le rocher. C'est le rocher, ses œuvres, que le rocher, ses œuvres sont parfaites. Il est leur rocher. Mais au verset, à partir du verset 17, ça dit, ils ont sacrifié à des idoles qui ne sont pas Dieu, à des dieux qu'ils ne connaissaient point nous, nouveaux venus depuis peu, et que vos pères n'avaient pas craint. Tu as abandonné le rocher qui t'a fait naître, et tu as oublié Dieu qui t'a engendré ou qui t'a formé. Fait que même dans la pensée de Moïse, c'est Dieu qui nous fait naître, c'est Dieu qui nous a engendrés. Oui, au niveau physique, on sait que tout ce qui est né, Dieu est à la source. C'est lui qui fait naître. Mais pour nous, en tant que chrétiens, pour nous maintenant, il nous a engendrés mais en esprit, n'est-ce pas? Ou du moins, c'est ce que Jacques nous fait part. Il dit, il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité. Par la parole de vérité, c'est Dieu nous a engendrés. Maintenant, nous sommes enfants de Dieu. Ce n'est pas tous ceux qui sont dans le monde qui sont enfants de Dieu, c'est ceux que Dieu a engendrés selon sa volonté par la parole de la vérité. Donc, la famille de Dieu est composée de qui? Elle est composée de quoi? De ceux qui font la volonté de mon Père. C'est ce que Jésus dit lorsqu'il dit, il est en sommet sur ses disciples, il dit, ce sont ceux qui font la volonté de mon Père, ce sont ceux-là qui sont mes frères, mes sœurs, ma mère. Ce sont ceux qui font la volonté de Dieu. Et quelle est la volonté de Dieu? Quelle est la volonté de Dieu? Comment est-ce qu'on sait que nous sommes dans la volonté de Dieu? La première chose que Dieu veut, c'est que les gens reçoivent la parole. À tous ceux qui l'ont reçue, parlant de quoi? De la lumière. Mais la lumière, c'est la parole. C'est ce que Jean nous fait part. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont reçu la lumière, à tous ceux qui ont reçu la parole et qui ont cru en son nom, il a donné le quoi? Le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il ne l'était pas, mais là maintenant, ils deviennent. Comment? En recevant. C'est ça la volonté de Dieu. Que les hommes reçoivent la parole, reçoivent la lumière et soient nés de l'Esprit. C'est ce que Jésus a dit. Il n'y a personne qui peut voir ou entrer dans le royaume de Dieu à moins qu'il soit né de nouveau. Il faut qu'il soit né de nouveau. Frères et sœurs, on pourrait être 150 personnes ici, mais ça ne veut pas dire qu'on est tous frères et sœurs. Ça ne veut pas dire qu'on fait tous partie
de la famille de Dieu. Parce que c'est par la foi. C'est par la foi. C'est d'être né de l'Esprit. Et frères et sœurs, moi je veux vous encourager ce matin. Parce que la parole est claire, que l'Esprit lui-même rend témoignage. De quoi? Que nous sommes enfants de Dieu. Que nous sommes enfants de Dieu. Toute personne doit avoir ce témoignage-là en dans eux. Et dans Galates, Paul nous dit que vous êtes fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous êtes tous fils de Dieu. Comment? Par la foi en Jésus-Christ. Vous avez mis votre confiance dans ce que Dieu a accompli à travers l'œuvre de Jésus-Christ. Comment je suis enfant de Dieu? Parce que je crois en Jésus-Christ. Et je crois à tout ce que Dieu nous a révélé concernant l'œuvre qu'il a accomplie. Et il nous a engendrés. Et même Paul nous dit que tous ceux qui sont conduits de l'Esprit sont fils de Dieu. Ce sont ceux qui... Il y a une évidence d'une personne qui est un enfant de Dieu. Une personne qui est un fils, une fille. C'est qu'est-ce qui les conduit? Ce n'est pas leur ventre. Qu'est-ce qui les conduit? Ce n'est pas leur chair. Qu'est-ce qui les conduit? C'est l'Esprit de Dieu. Qu'est-ce qui dicte leur vie? C'est ce que Dieu nous enseigne. C'est pour ça que Jésus dit, ils seront enseignés de Dieu. Ils seront enseignés de Dieu. Et c'est ce qui dicte nos vies. C'est l'Esprit de Dieu qui nous conduit et qui révèle et qui met en évidence que nous sommes fils et filles de Dieu. Paul nous dit dans Corinthiens de sortir, n'est-ce pas? Mais ça vient de la part de Dieu. Sortez du milieu d'eux et je vous serai sûrement un jour vous accueillir. Vous allez être quoi? Des fils et des filles. L'Esprit de Dieu, frères et sœurs, ne nous conduit pas de marcher comme le monde. Lorsqu'on peut voir que le monde est présent, frères et sœurs, on peut être garanti que ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Jean le dit, on l'a mentionné la semaine passée, même dans 1er Jean, au 2e chapitre, « N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. » Parce que ça ne vient pas de Dieu, ça ne vient pas du Père. Donc, c'est quelque chose qui vient, ceux qui font partie de la famille de Dieu, ça devient évident. C'est une réalité dans les Écritures, frères et sœurs. On a chanté ce matin, tu es mon Père. Ça, c'est la réalité familiale, frères et sœurs. Dieu est notre Père. Et lorsque les disciples ont demandé à Jésus, enseigne-nous à prier, qu'est-ce qu'il leur dit? La première chose qu'il leur dit, notre Père qui est dans les cieux. Et c'est intéressant parce que dans Matthieu 6, je pense que c'est une dizaine de fois au moins que Jésus fait référence à votre Père ou ton Père. Dépendant s'il parle à plus qu'à une personne. S'il parle à une personne, il dit ton Père. Ça devient tellement personnel. Et c'est pas la communion à laquelle Jean voulait que les gens viennent. Notre communion est avec le Père et le Fils. Mais Jésus, le Père, on n'a pas seulement le Père. Mais même Jésus, regardez ce qu'il a dit après sa résurrection, lorsque Marie Magdalene est allée le voir, dans Jean 20, pour ceux qui seraient intéressés de tourner, je peux juste le lire. Dans Jean 20, verset 17, ça dit, Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. C'est quelque chose que Jésus voulait qu'il réalise. Cette relation-là, notre origine est de Dieu parce que nous sommes nés de l'Esprit de Dieu. Il nous a engendrés en Jésus-Christ. D'avoir cette réalité-là. Et ça nous dit ici, va dire à mes frères Jésus, non seulement qu'on a un père, notre Père céleste, mais là, on a un frère céleste. Hein? Allez dire à mes frères. À mes frères. Allez voir dans Hébreux 2. Hébreux 2. Et c'est une chose, je crois, que le Seigneur veut qu'on réalise que nous sommes et nous faisons partie d'une famille. Mais on sait qu'il y a des défis aussi.
dans la famille, n'est-ce pas? Donc, Hébreux 2. Excusez-moi, je pense que je me suis peut-être trompé dans la... Onze, c'est ça. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui toutes choses et qui voulait conduire, et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils et élevé à la perfection par la souffrance le prince de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Lorsqu'il dit, j'annoncerai ton nom à mes frères et je célébrerai au milieu de l'assemblée. Et encore, je me confie en toi. Et encore, me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. On a un frère céleste. On a un père céleste. On a un frère céleste. On fait partie de la famille de Dieu, de la famille de la foi. Paul nous dit dans Galates 4, et parce que vous êtes fils, au verset 6, Dieu a envoyé dans vos cœurs, ou dans nos cœurs, l'esprit de son fils, lequel crie Abba Père. Au même titre que Jésus a crié Abba Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Cette expression est utilisée seulement 3 fois dans les Écritures. Abba Père. Et Jésus a dit Abba Père dans un temps des plus difficiles. Notre communion avec Dieu, frères et sœurs, nous porte à travers les temps les plus difficiles, comme un père porte son enfant. Alléluia. Donc, en tant que disciple de Christ, c'est une bonne nouvelle. On est tous frères et sœurs en Jésus-Christ. Et l'impact fait partie de la famille de Dieu. Il y a un impact. Il se peut fort bien que ça affecte la famille naturelle. Jésus dit, je suis venu non pour apporter la paix, mais mettre la division. Et souvent, malheureusement, dans la famille naturelle, il y a des choses qui se passent lorsqu'on donne notre vie au Seigneur. Ça peut créer une division. Mais en même temps, il nous dit également que tous ceux qui ont perdu ces choses-là, en lui, vont les retrouver au centuple. Des maisons, des frères, des sœurs, des mères. Alléluia. Donc, il y a une bénédiction que l'on retrouve de faire partie de la famille de Dieu. Et ici, je pense, en un passage qu'on regarde dans 1 Timothée, Paul fait appel à comment se conduire. Parce que là, on a juste lu les 2 premiers versets, mais le chapitre nous fait part de la façon de se conduire, de communiquer qu'on devrait avoir dans une famille. La première chose que j'aimerais qu'on remarque, c'est qu'on doit communiquer les uns avec les autres selon les Écritures, avec amour et respect. C'est un engagement moralement, je dirais, et socialement établi. En famille, normalement dans une famille, il doit y avoir de l'amour et un respect les uns pour les autres. Et le Seigneur nous montre ça, que c'est des choses qui sont établies, parce que je pense que, comme Paul le dit, qu'ils font les choses naturellement, ce qui est écrit dans la loi, il démontre que la loi, l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur. Regardez avec moi dans Luc. Luc, on va aller dans Luc 6. On voit ici que Jésus nous fait part que ces choses-là devraient être normales parce qu'elles sont pratiquées parmi les pécheurs et les publicains. Si on commence à lire au verset 32, chapitre 6, « Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en sera-t-on? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui font du bien, quel gré vous en sera-t-on? Les pécheurs aussi agissent de même. Et si vous prêtez à ceux qui vous
De qui vous espérez recevoir, quel gré vous en sera-t-on? Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs afin de recevoir la pareille. Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer. Et votre récompense sera grande et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Intéressant, n'est-ce pas? Jésus nous démontre vraiment que dans le monde même, les gens font naturellement des choses qui sont écrites dans la loi. D'honorer leur père, leur mère, de prendre soin des gens. Ils font ces choses-là parce que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur. Mais il dit, vous, si vous faites simplement ça, c'est pas si grave ça parce que même les gens dans le monde le font. Donc, ici, on voit que les gens dans le monde peuvent déployer de l'amour, de la bienveillance et même de la compassion pour garantir un intérêt. C'est ce qui nous fait peur ici. Et dans Matthieu 5, c'est le même sermon, mais il change un petit peu la façon que ça nous est donné. Et puis, on va commencer au verset 44, ça nous dit, « Ben moi, je vous dis, aimez. » Au verset 43, ça dit, « Vous avez appris qu'il a été écrit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. » Car il a fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il a fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Intéressant, n'est-ce pas? Que Jésus, ici, dans la comparaison, tu sais, l'amour est d'accueillir les gens. Parce que là, ce qu'il dit de saluer, c'était pas juste de dire, en passant. C'était vraiment d'accueillir les gens. C'est à l'exemple du Samaritain, lorsque il a vu la personne qui était dans le trouble, il l'a accueilli en prenant soin de lui et en lui donnant ce qui était nécessaire, en payant pour l'hôtel, pour que la personne prenne soin de lui. S'il demande quoi que ce soit, dis-moi-le, à mon retour, je vais te donner. Et c'était ça d'accueillir. Il était en terre. Et c'est intéressant que dans Luc utilise le mot pécheur. Pour les Juifs, c'était quelque chose de vraiment. Les pécheurs étaient coupés. Et les publicains. Dans les deux, ils utilisent des termes que vraiment, pour les Juifs, ça aurait été comme répréhensif de considérer les pécheurs. Et de considérer les publicains. Mais ici, Jésus, je crois la leçon qu'il nous donne, c'est que nous, on doit aimer au-delà de ça. On doit aimer au-delà de ce qui est la norme. C'est ce qu'il nous appelle à faire. C'est pour ça que nous avons son esprit. Et c'est le seul moyen que nous pouvons réellement aimer comme il veut qu'on aime. Et c'est là que d'être conduit par l'esprit. Ceux qui sont conduits par l'esprit sont fils de Dieu. Parce que vous savez que moi, bien souvent, ça ne nous dit pas d'aimer nécessairement. Où on n'a pas les sentiments, où on ne ressent pas justement un amour qui vient nous donner des frissons, des bons frissons. Des fois, c'est l'opposé, n'est-ce pas? Donc, on doit aimer, je crois. Paul, ici, va nous faire part en parlant de choses de famille, d'aimer avec respect, et s'aimer les uns les autres avec respect. Et en exerçant, je crois, la piété. En exerçant la piété, c'est comme ça qu'on peut communiquer, se conduire. En exerçant la piété. Souvenez-vous qu'il a dit à Timothée, il dit, exerce la piété. Exerce la piété. Lorsqu'on continue à lire au chapitre 5, justement, il va également dire d'exercer la piété, que les hommes doivent exercer la piété. Et c'était de prendre soin, justement, des veuves. On verra ça dans un temps rapproché. Mais pas aujourd'hui.
Mais il disait d'aimer justement de cette manière-là, en exerçant justement la piété. La piété va faire en sorte qu'on va prendre soin des gens, qu'on va démontrer cet amour-là. Je disais un ministre qui avait écrit quoi, il dit, c'est intéressant ce que Paul dit ici, ça peut se voir de deux façons. Ça peut se voir de deux points de vue, on pourrait dire. Le point de vue des jeunes personnes, parce que Timothée, c'est un jeune homme. C'est un jeune homme. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Tu ne réprimandes pas rudement le vieillard, mais exhorte-le comme un père, exhorte les jeunes gens comme des frères, les femmes âgées comme des mères, celles qui sont jeunes comme des sœurs en toute pureté. Mais également, pour les personnes qui sont plus âgées, et c'est ça qui faisait le point, pour les personnes qui sont plus âgées, les hommes âgés devraient regarder les hommes âgés comme des frères, et les femmes âgées comme des sœurs, les jeunes hommes comme des fils, et les jeunes femmes comme des filles. Quand on atteint une certaine maturité, frères et sœurs, dans le Seigneur, on devrait regarder les gens dans le but de déposer, dans le but de servir, dans le but d'aider, dans le but d'exhorter, parce que c'était justement ce que Paul ici voulait donner comme conseil. On sait que Paul, tout ce qu'il dit, il dit, je vous donne le conseil de Dieu. Et comment est-ce qu'on devrait être en relation les uns avec les autres? Donc, se conduire et communiquer comme dans une famille avec amour et respect, en exerçant la piété, et puis en marchant selon l'esprit. On doit être conduit par l'esprit pour être. Paul avait un désir, je crois. Un des plus grands désirs qu'il avait, c'était que l'Église serait parfaitement unie. Amen. Pourquoi? Parce que Jésus a prié, Père, qu'il soit un comme nous sommes un. Est-ce qu'il y a division entre le Père et le Fils et l'Esprit? Non. Mais c'était la prière de Jésus et Paul désirait que l'Église soit parfaitement unie. Il en parle aux Corinthiens, justement. Parfaitement unie dans un même esprit et sentiment. Et ça me donne l'impression de cette relation familiale-là. On sait que dans les familles, c'est pas toujours comme ça. Mais c'est le but. Dieu veut qu'on soit dans une relation de cette façon-là, qu'il n'y ait pas de division, de rivalité, de dispute parmi nous. Mais qu'on doit marcher comme des gens spirituels, des hommes spirituels, des femmes spirituelles. Et c'est ce qu'il fait part dans 1 Corinthiens, au premier chapitre, après ça, il va au chapitre 3. Il dit, je ne vais pas vous parler comme à des hommes spirituels. C'est triste. Pourquoi? Parce qu'il y avait de la division, il y avait de la rivalité, il y avait de la jalousie qui était présente parmi eux, il y avait de la dispute. Et on sait lorsque ces choses-là sont présentes que ce n'est pas le zèle que le Seigneur veut qu'on ait les uns pour les autres. Ce n'est pas l'amour qui veut qu'on démontre les uns envers les autres. Ce zèle-là est démontré lorsqu'il dit, on va aller dans 1 Corinthiens 3, lorsqu'il parle de ce zèle. Au verset 1, il dit, pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Dieu veut qu'on marche en tant qu'homme et femme spirituelle. Il démontrait un zèle, mais pas un zèle qui reflétait ce que Dieu nous appelle à être et la façon qu'il veut qu'on marche. C'est le zèle que Jacques décrit qui n'est pas la sagesse de Dieu, mais qui est plutôt terrestre, qui est plutôt charnel et même diabolique. Le terme qui est utilisé justement pour un zèle amer et un esprit de dispute en Jacques 3, c'est une rivalité sérieuse, jalousie, envie,
et être envieux de quelque chose, de quelqu'un. Et ces choses-là sont souvent présentes dans l'Église, malheureusement, et qui vont à l'encontre. Et ça démontre, frères et sœurs, qu'on n'est pas toujours conduit par l'Esprit comme on devrait l'être. On n'est pas toujours rempli de l'Esprit. Je me parle également. Hein? Il est beaucoup plus facile d'en parler que de mettre ces choses-là souvent en pratique. Parce qu'on sait que le zèle amer, quelque chose qui est terrestre, charnel et diabolique, souvent devient de l'amertume, parce que c'est le terme qui décrit justement de l'amertume. De l'amertume dans le cœur. Et on sait que ça produit du trouble et que cette amertume-là infecte. Ça infecte ceux qui nous entourent. Mais lorsqu'on en regarde dans Hébreux 12, on ne prendra pas le temps ce matin, le temps avance et j'ai encore un peu à partager. Et dans Hébreux 12, pour ceux qui voudraient regarder ça dans Hébreux 12, 15, Paul nous dit de ne pas se priver de la grâce de Dieu. Fait qu'il ne se produise pas dans notre cœur des racines d'amertume, n'est-ce pas, et qui viennent infecter, qui vraiment causent du trouble. Et pour moi, c'est un indicateur. Parce que Paul dit, ne vous privez pas de la grâce de Dieu. Parce que des choses comme ça, frères et sœurs, qui s'accumulent dans nos vies, dans nos cœurs, c'est que, pas vraiment, c'est parce qu'on s'est privé de la grâce de Dieu. La parole de Dieu nous dit de s'approcher du trône de la grâce avec assurance. Afin d'obtenir quoi? Miséricorde et grâce. Pour être secouru dans notre temps de besoin. Les frères et sœurs, on a besoin d'être secourus quand ça vient le temps de nos relations, de s'aimer les uns les autres, de marcher les uns les autres comme une famille. Mais on le sait, à travers les Écritures, c'est ça que j'aime des Écritures, parce que Dieu n'a pas caché des choses qui se passaient, n'est-ce pas? Des choses qui se passaient dans une famille. On voit au point de départ Caïn envers son frère. Parce que ses œuvres étaient mauvaises. Il y avait autant d'instructions qu'Abel a eu l'instruction. Abel a simplement offert ce que Dieu, évidemment, a demandé, parce que c'est une offrande qui lui était agréable. Et pourtant, Caïn lui a fait à sa tête. Il a offert ce qu'il voulait offrir. Mais parce que ses œuvres étaient mauvaises, qu'est-ce qui est arrivé? Il a pris son frère en aversion. Il l'a haï au point de le tuer. Et en faisant ça, il s'est démontré comme étant le fils du malin. Il a suivi dans les voies du malin. On sait que le diable est meurtrier dès le commencement. On a également les frères de Joseph. Relation familiale, comment ça peut être? Les frères de Joseph étaient jaloux de Joseph. Ils avaient un zèle amer. Et c'est devenu comme une rivalité. Et lorsqu'ils l'ont vu, on dit on a un plan. Leur plan, c'était de le tuer. Mais on dit OK. Donc, monter une histoire. Mais Dieu, dans sa miséricorde, s'est servi de Joseph pour sauver la famille. Wow. Et on a aussi le frère du fils prodigue. Jésus nous donne une merveilleuse histoire, un merveilleux récit d'une personne qui délaisse sa famille, veut rien savoir, veut vivre sa vie personnelle. Ah, je veux faire à ma taille, je veux faire tout ce qui me plaît. Et quand il atteint le fond du baril, qui cherche de quoi à manger, il revient à la maison en repentant, le cœur brisé. Je ne suis même pas digne d'être appelé ton fils. Fais-moi un serviteur. Juste ça. Et le père fait une réception exceptionnelle et le reçoit avec joie. Et le frère aîné revient. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une adversion dans son frère. Parce qu'il savait qu'il a dépensé. Il a tout dépensé. Il a tout dépensé avec des prostituées. Il a vu une vie débauche. Et tu le veau engraissé. Ça n'a pas d'allure. Mais sa réflexion était quoi? Au fils aîné. J'ai
J'étais tout le temps avec toi, j'ai fait ce que tu m'as demandé de faire et tu ne m'as jamais donné pour se livrer avec ses amis. Ça, c'était sa réflexion. Une réflexion charnelle. Il ne voyait pas que son frère était revenu à la vie. Lui, tout ce qu'il voyait, là, c'était charnel. Hein? Moi, tu ne m'as pas donné quoi pour que je puisse faire un party, moi aussi. Là. Hein? Mais il ne voyait pas le spirituel. Hein? Mon fils qui était mort est maintenant vivant. Alléluia. Le fils aîné, dans sa jalousie, dans son aversion envers son frère, ne pouvait pas voir la grâce du Père envers son fils. Il ne pouvait pas voir qu'il était perdu dans les taux qu'il était et maintenant qu'il est retrouvé. Hein? Et c'est ça que la chair fait, frère et soeur. On commence à regarder aux mauvaises choses. On commence à regarder aux choses naturelles. Et souvent, les conflits dans l'Église, les uns avec les autres, c'est souvent rattaché au naturel. Comment ça m'affecte, moi, naturellement? Parce qu'on enlève nos yeux de ce qui est le plus important, ce qui est Dieu considère comme important, c'est les choses de Dieu, les choses spirituelles, le salut d'une personne, le salut d'un homme, la lumière. Dans 1 Timothée 5, je crois qu'il y a une autre façon de comprendre ici, plus directement ici, dans le contexte où il parle de se conduire, de communiquer, c'est avec une attention respectueuse. Regardez ce qu'il dit. Ne réprimande pas rudement le vieillard. Ne réprimande pas rudement le vieillard. Ne le reprends pas rudement le magie. Et le terme qui est utilisé, c'est de frapper ou de battre, de châtier par des mots. Faire des reproches ou de gronder le vieillard. Voyez, on a perdu vraiment le respect des personnes âgées dans notre génération. Il n'y en a plus de respect pour les personnes âgées. Dans Lévitique 19, je ne sais pas du verset exactement, mais ça dit « Tu te lèveras à la présence de la tête blanche. » Et il y avait ce temps-là, parce que dans les autobus de Montréal, quand j'ai été élevé comme un petit garçon, et je prenais un autobus, une personne âgée rentrait, on se levait immédiatement et on donnait la place. Tu vas respecter l'homme âgé pour que tu sois béni. Même, je crois, si vous me donnez un instant, je n'ai pas la référence, mais Luc, pas Luc, mais Lévitique, c'est dans le chapitre 19, il parle beaucoup de ces choses-là, mais si je me souviens bien, il donne une bénédiction même. Non, c'est pas. Je suis dans un mauvais chapitre. Verset 32. Tu te lèveras devant les cheveux blancs et tu honoreras la personne du vieillard. Tu craindras ton Dieu. Je suis l'Éternel. Alors, je pensais qu'il me semblait qu'il y avait une bénédiction rattachée à ça, mais c'était bien dans un autre endroit. En tout cas, ça nous dit de se lever devant la personne vieillarde, la tête blanche. Parce que, il me semble que le verset que j'ai dans la tête, c'est, ça dit de se lever devant la tête blanche. Ça se peut que ça soit ailleurs. Ouais, c'est pas un problème, c'est ailleurs. C'est évident. En tout cas, mais il y avait une bénédiction de rattacher avec, d'honorer la personne âgée. Une chose qu'on a perdue dans notre temps, vraiment, qui est malheureux. Et c'est pour ça que Paul ici dit à Timothée, il dit, tu ne réprimande pas vraiment le vieillard. Démontre-lui du respect. Démontre-lui du respect. Et je crois que ça doit être une attitude qu'on doit avoir, frère et sœur. Même, il dit, regardez comment ça, c'est la structure. Il dit, ne reprends pas rudement le vieillard, mais exhorte-le comme un père, exhorte les jeunes gens. C'est comme si c'est la même ligne de pensée. Mais comment est-ce qu'on communique? Ça doit être par exhortation.
et non pas de frapper les gens avec des paroles dures, de châtier des gens, de châtier par des mots, mais ça doit être avec une douceur. Après ça, il va avec les femmes âgées comme des mères. Donc, c'est toujours dans la même lignée d'exhorter, d'exhorter. Et celles qui sont jeunes comme des sœurs en toute pureté. Mais ça doit être l'attitude qu'on doit avoir constamment. Paul nous dit à maintes reprises, il dit, que votre parole soit toujours accompagnée de grâce. Et dans Éphésiens, ça dit, des paroles qui servent à l'édification. Et ici, c'est ce que Paul demande à Timothée. La communication en famille, frères et sœurs, doit être non pas des mots qui sont durs, mais plutôt qui exhortent. Et le terme, on a dit ça à maintes reprises, le terme qui est utilisé pour exhorter, c'est le terme parakletos. Et ça, ce terme-là, c'est aussi assigné au Saint-Esprit, le consolateur. Hein, n'est-ce pas? De consoler, d'encourager, de fortifier. Paul dit, l'autorité que j'ai reçue, ce n'est pas pour votre destruction. C'est pour votre édification. Ça, c'était Paul. Et il enseigne ici à Timothée que quand tu parles, Timothée, que ce soit pour exhorter, que ce soit pour édifier le corps de Christ. Et c'est comme ça qu'on devrait communiquer en famille. On devrait se communiquer de manière à s'exhorter, à se consoler, à s'encourager, à se fortifier. Et dans 2 Corinthiens 13, 10, Paul dit, je n'ai pas usé de rigueur envers vous. Je ne vous ai pas parlé durement. Et c'est là qu'il dit, mon autorité, ce n'était pas pour la destruction, mais c'était pour l'édification. Allez avec moi dans Galates 6. Je pense que ça définit bien l'attitude qu'on devrait avoir les uns avec les autres. En tant que personne spirituelle. Au verset 1, ça dit, frère, si un homme vient à être surpris en faute, dans une famille, des fois, il y a des fautes. Il dit, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur. Et c'est le conseil que Paul donne dans ses lettres. Même il le dit à Timothée dans sa deuxième lettre, dans 2 Timothée 2, justement, de parler de façon affable, une façon douce. Mais, ça nous dit au verset 24, chapitre 2, 2 Timothée 2, 24, « Il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles, il doit au contraire être affable ou être doux pour tous. Propre à enseigner, doué de patience, il doit redresser avec douceur les adversaires. » Et c'est l'attitude, je crois, qu'on doit avoir. Parce qu'on est tous appelés à être diacres. On est tous appelés diacres. Jésus dit, celui qui veut être le plus grand, qu'il soit le serviteur de tous. Et c'est ce terme-là qui est utilisé. Sois prêt à servir. Donc, on veut, en tant que serviteur, de vraiment parler avec douceur, être doux envers tous et de redresser avec douceur. Et maintenant, ça nous dit de faire ça avec les personnes âgées, autant hommes, femmes, les jeunes hommes, frères, les jeunes femmes comme des sœurs en toute pureté. Mais je crois que en toute pureté est spécifiquement pour la relation entre un jeune homme et une jeune femme, parce qu'il est par exemple à Timothée, il est un jeune homme. Comment est-ce que tu vas conduire avec une jeune femme en toute pureté? Mais en même temps, je crois que ça c'est comme un. Bookends, les serrés, comment est-ce qu'on appelle ça? Tu sais quand on met des appuis, tiens ensemble. Je crois qu'on voit ici ce que Paul dit à Timothée, je crois que ça nous concerne tous, autant de ne pas réprimander, ça c'est comme le premier, et en toute pureté. Et dans toutes nos relations, frères et sœurs, on devrait marcher de façon à exhorter et toujours dans la pureté. Spécifiquement ici, jeune homme avec une jeune femme. Mais dans toutes ces choses-là, c'est la façon qu'on devrait vivre. On a vu dans le passé, lorsque justement
Paul dit à Timothée d'être un exemple, un modèle pour tous les fidèles en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. Et qu'est-ce que ça l'impliquait? Et j'avais mentionné à propos d'un théologien, Barnes, qui disait qu'il n'y a rien qui doit être fait dans nos relations avec l'autre sexe qui puisse faire scandale. Et maintenant, dans le contexte actuel, ce même théologien-là dit que Paul encourage Timothée qu'il ne devait se livrer à aucun mot, ni regard, ni action qui pourrait, par quelque possibilité, être interprété comme manifestant un état de sentiment inapproprié. Je pense que ça va simplement plus loin que juste les jeunes femmes, mais ça comprend notre attitude dans tout ce qu'on fait. Ça doit être avec pureté. Paul encourage Timothée dans sa deuxième lettre, « Conserve-toi pur. » Et ceux qui se purifient de ces choses-là, ça nous dit qu'ils vont être des vaisselles, des vases d'honneur. Hein? Des vaisselles. On doit se conserver pur. Parce que frères et sœurs, en terminant, il n'y a pas de plus grand problème causé dans n'importe quelle famille et dans l'Église que l'impureté. Et je ne parle pas simplement de l'impureté sexuelle, mais de l'impureté dans le cœur qui peut être de l'amertume, de la jalousie. Et le but du commandement qu'avait donné, c'est qu'on ait une conscience pure, un cœur pur. C'est ce qu'avait dit à Timothée, au début de Timothée. Au verset 5, il dit, le but de cette recommandation, c'est un amour grand d'un cœur pur. Donc, on doit avoir dans nos relations une pureté constante. Mais ce qui cause du trouble, c'est une conduite impure. Et je vais vous donner juste deux exemples dans une famille. On a nommé quelques familles qui ont des problèmes. On peut reconnaître à vous dans l'Église, il y en a des fois des problèmes. Et c'est malheureux qu'on laisse ces choses-là aller de l'avant. Encore une fois, l'impureté fait en sorte que souvent, ce qui est la cause, c'est la chair. Comme on a vu avec le fils prodigue, il était consommé pour les choses charnelles. Et il ne voyait pas ce qui s'était passé spirituellement. Dans la conduite d'Amnon, est-ce que vous connaissez Amnon? Oui, Amnon avec Tamar, sa sœur, comment est-ce qu'il la convoitait vraiment? Il a reçu conseil, qu'est-ce qu'il fallait faire? Et il l'a forcé, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qui est arrivé après qu'il l'ait forcé, après qu'il ait eu ce qu'il voulait avoir? C'était une conduite impure, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a pris en aversion. La parole de Dieu nous dit, il l'a haï. Absurde, ça. Et ça s'est répandu, frère et sœur. Parce que Absalom, son frère, qu'est-ce qui est arrivé avec son frère Absalom? Il dit à sa sœur, fais ça, t'en pas avec ça, mais dans son cœur, il y a de l'amertume qui s'est élevée. Il y a une haine et il a pris Amnon en aversion. Et qu'est-ce qui est arrivé éventuellement? C'est qu'il l'a tué. Lorsque une conduite impure, inévitablement, ça va amener à des problèmes. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous parle que ce n'est pas d'être conduit par l'esprit. Ce n'est pas d'être pur devant Dieu. Donc, en conclusion ce matin, c'est toute une bénédiction quand nous faisons partie de la famille de Dieu. C'est toute une bénédiction. Mais pour jouir de cette pleine bénédiction, on doit vraiment se traiter comme une famille. Ça ne veut pas dire qu'on est toujours en accord, mais qu'on se traite les uns les autres selon l'Esprit de Dieu, selon la piété. Avec amour. Jésus nous a donné son commandement et je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il était prêt à donner sa vie. Il a donné sa vie. Et c'est ça l'amour qu'on doit avoir les uns pour les autres. Et on doit avoir une disposition, je crois, qui est bienveillante. Et c'est les conseils que, je crois, Paul ici donne au chapitre 5. Les conseils pertinents de bienveillance les uns vers les autres. Avoir un amour les uns envers les autres, un respect mutuel, l'édification commune. C'est ce qu'on veut s'encourager, s'exhorter les uns les autres.
Et j'aimerais juste lire un passage en Philippiens. Je crois qu'il résume bien et qu'il nous donne une bonne idée de comment est-ce qu'on devrait être les uns envers les autres. Philippiens 2, on va terminer avec ça. Commençant au verset 1, ça dit « Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Amen. Et en tant que famille de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, est-ce qu'on est appelé à être et à faire? Amen. Est-ce qu'on peut se lever ensemble, s'il vous plaît?